Ok, donc on se retrouve pour ce sixième épisode sur Dying Light. Donc là, on vient de se réveiller. On a passé une nuit mouvementée, hein, comme vous avez pu voir dans le dernier épisode. Une bonne dose de stress avant de se coucher. Mais bon, c'était marrant, on va dire. Mais j'ai pas tenté de refaire la mission suivante en pleine nuit. Donc là, on est au début de la matinée. Ça nous laisse un peu de temps pour faire la mission, je pense, avant que la nuit tombe. Crane, tu m'entends ? Jade ? Ouais, je te reçois. Il y a un problème ? Non, non, c'est... Écoute, Crane. Ce que tu fais est très courageux. Je sais que c'est pour te racheter, parce qu'Amir est mort en te sauvant la vie. C'est le seul moyen. Si Rice nous donne pas d'antisine, les gens vont mourir, non ? J'ai rencontré Amir après l'infection. Je le connaissais pas bien, mais c'est l'homme le plus honnête que j'ai jamais connu. Mais je veux juste que tu saches que je ne t'en veux pas. Amir connaissait les risques. Et Crane, j'apprécie ce que tu fais pour nous. Écoute, Jade, on en reparle dès que je suis là avec l'antisine, ok ? Ok. Reviens en un seul morceau, Crane. Alors hier, là, il y a un zombie en feu et il est vivant. Donc même si on crame les zombies, ils ne meurent pas. Donc ça, c'est bon à savoir. Alors, le point de mission, il est assez loin. Ce qu'on va faire, on va passer par le pont. Je sais pas si c'est la meilleure des idées, mais j'avais envie. Donc là, tout de suite, je stresse moins. Après avoir passé une nuit en enfer... C'est tout de suite plus simple la journée. Alors ça c'est un bidon d'huile. Alors j'imagine que ça prend feu si on l'allume. Je sais pas trop comment l'allumer, mais à mon avis y a moyen. Ah par contre on s'épuise très vite, hein. Ça c'est toujours un peu problématique, on va dire. En cours, bon, il n'y a pas trop de résistance. Ah, alors c'est bien de ramasser des choses sur le sol. Ça peut, alors statue de zombie, ça peut aider à crafter des objets, entre autres. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Alors, on va essayer de continuer au niveau du pont. On va voir si on peut. Ah, c'est vraiment sympa cette notion de parcours dans le jeu, à la première personne. C'est clair que c'est vraiment un mix entre Mirror's Edge et Dead Island, on va dire. Ok, ok, on va descendre par là. Fais en sorte qu'ils te voient et sachent qui tu es. N'essaie pas de les avoir par surprise. C'est le meilleur moyen de te prendre une balle. Souhaite-moi bonne chance. Bonne chance, mon frère. T'en auras besoin. Ok, donc j'imagine que le gros bâtiment jaune là-bas, c'est le QG de Rise. On va voir tout de suite, de toute façon. Alors ça, c'était la lampe à UV. Donc ça fait rien aux zombies la journée. Tire pas. Main en l'air. Tu veux quoi, connard ? Je viens voir Rise. C'est Brecken qui m'envoie. Brecken ? Cet abruti dans sa tour ? Alors il veut quoi, Brecken ? Il veut passer un marché. Quel genre ? Le genre qu'on passe avec Rice, pas avec ses larbins. Ok. Qui passe ? Je sens que ça va être amusant. Ok, donc là, on y est. On est amis depuis combien de temps, Osman ? Ça fait très longtemps que nous nous connaissons. C'est pour ça que je suis extrêmement surpris que tu m'aies volé. On s'est pas déjà vu. Mais je te donne une chance. C'est simple. La main droite ou la main gauche.
gauche. Tu parlais de ma gauche, de la tienne. Toi, tu viens de la tour, ça se voit. Qu'est-ce que tu veux? Je voudrais passer un marché. Un marché? Pour de l'antisine? Forcément, les temps sont durs. Et tu offres quoi en échange, Tes services? Ta loyauté? Je vais peut-être prendre les deux. Va parler à Karim, c'est l'un des nôtres. Fais ce qu'il te demande. Et Rice donnera peut-être de l'antisine à tes copains. Compris? Je crois que j'ai pas vraiment le choix. Quelle perspicacité! Ok, très bien. Charmant ce mec. Alors, je vais prendre le couteau si ça vous dérange pas. Allez voir Karim. Alors, où est Karim? C'est lui, Karim? Ouais. Ah, te voilà. Rice m'avait prévenu de ton arrivée. Je suis Karim. Payne. Un Américain. J'ai un oncle là-bas. Au Texas. Tu viens du Texas? T'es un cow-boy? Je viens de Chicago. Ok, Al Capone. On sera en contact radio permanent. Comme ça, je serai sûr que t'iras là où il faut. Et c'est où exactement? Tu vas escalader les tours d'antenne et allumer des modulateurs d'ondes courtes. La plupart de mes hommes sont trop lents, trop lourds ou trop bourrés pour escalader ces tours sans se tuer. Et si je le fais, j'aurai l'antisine? Ça, c'est entre Rice et toi. Je vais sûrement pas m'engager à sa place. N'échoue pas, c'est tout. Il gère mal les déceptions. Ok, alors... Contactez le GRE, ok. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh putain, c'est le box. Ok, d'accord. Salle d'entraînement, sympa. Alors, bon, on va sortir tout simplement par ici. Ah, là, il y a plus de zombies que tout à l'heure. Bon. Ouais, merde. On va pas traîner, hein. Allez, casse-toi de là, voilà. Ok, donc faut monter là-haut. Il y a peut-être quelque chose là. Ouais, une caisse. Je vais essayer de m'arrêter et prendre... Quelques ingrédients pour crafter tout simplement. Alors là, c'est chaud. Alors, pas ce sens. Ouais, ce sens, c'est mieux. Je pense qu'après cette mission, je vais faire 2-3 missions annexes. Tout simplement pour chercher un peu de stuff, gagner quelques points, pour améliorer par exemple l'agilité et la puissance. Je sais pas trop comment ça se gère, mais j'imagine agilité c'est le fait de courir pas mal. Et la puissance tout simplement c'est le fait de taper sur les ennemis. Crane. Au rapport. J'ai rencontré Rice. Pas de doute, c'est Suleiman. Ce type est un malade mental. De politicien sans scrupules, il est passé à chef de guerre. Est-il au courant de vos liens avec nous? Non, il croit que je suis juste un gars de la tour. Il me teste pour voir s'il peut me donner de l'artisine. Bien reçu. Continuez à lui obéir. N'oubliez pas qu'il nous faut ce dossier. Super. Crane, terminé. Ok, trouvez une antenne de communication. C'est parti.
J'ai envie de casser des zombies de temps en temps. Ah c'est sympa l'effet là. Ça l'a carrément assommé. Tiens, c'est marrant ça. Waouh. C'est puissant hein. Merde. Putain, j'ai pas vu arriver celui-là. Bon allez. On va pas traîner, il y en a pas mal dans autour de moi. Hey, Al Capone, t'es prêt? Dois faire quoi exactement? Les communications radio sont mauvaises dans la zone de quarantaine. Ces modulateurs vont amplifier le signal. Et Rice pourra communiquer avec les avant-postes les plus éloignés de la ville. Tout le monde en profitera. Pas seulement Rice. Peut-être. Mais un empereur doit gérer son empire. Alors j'ai vu un point rouge sur la map, du coup ça a commencé à me faire flipper. Ça m'a rappelé la nuit dernière. Avec les points rouges qui couraient comme des malades et qui étaient super agiles. Alors ça c'est moyen. Qu'est-ce qui branle? On va pas trop traîner de leur côté. Alors l'antenne, elle a l'air d'être ici. Karim, je suis à la première antenne. S'il n'y a pas de courant, tu vas devoir l'activer. Il y aura un interrupteur dans le petit bâtiment, au pied de l'antenne. Bon, alors là, ça m'arrange pas. Il y a des zombies un peu partout, merde. Ok. Je vais essayer d'activer le courant, mais il faudrait pas qu'il me voie. On va y aller tout doucement. Ouah, merde, c'est quoi ce truc? Ouah, forcément, ils m'ont vu les autres. Ouah, non, c'est la merde. C'est une bière toxique. C'est une bonne raison. Saloperie. Oh, c'est immonde en plus. C'est quoi cette merde? J'ai pas un truc là pour flinguer. Oh non, ça va être dur. Ah, c'est la merde. C'est la merde. Alors, est-ce que je peux crafter quelque chose? Plan. Tiens, un cocktail Molotov, parfait. On va faire ça. Alors, cocktail Molotov. Tiens, sac à merde. Est-ce qu'il va mourir? Ouah, dur. Le bruit a attiré les virulents. C'est quoi cette merde? Oh là là. On va rester en hauteur. Je pense que c'est mieux. Alors là, il y a quelqu'un qui s'excite dans le coin. Mince, 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 mince. Ça va être dur là, c'est juste en bas le générateur. Comment faire? Est-ce que j'ai une arme qui est meilleure que celle-là? Dans l'inventaire. Arme 42. 39. Ok, donc celle-là, elle est mieux que les autres. On va prendre celle-là. Ouais, y a pas le choix là, hein. Il faut que... Peut-être qu'un deuxième Molotov, ça va lui faire du bien. Non, il s'en fout, ça lui fait rien, le feu. Et j'imagine que je peux pas passer, je peux pas le... Et vous, bande de merde, si vous cramez... Ah, par contre, ça crame les autres. Ok, alors peut-être que si je reste...
ici et que je lui donne des coups de loin. Ah, je sais pas. Mais il faut que je le tue, je suis obligé, c'est ici le générateur. C'est pas trop comme si j'avais le choix, alors allez. Ah, le problème c'est qu'il y en a d'autres, des zombies dans le coin. Bon, c'est bon, il crame. Aïe aïe aïe. Cours, cours. Ok, donc non, mauvais plan. Mauvais plan, mauvais plan, mauvais plan. Waouh. Je sens que ça va être dur cette mission. Putain, mais c'est fou, mais comment faire, hein? Comment faire? C'est obligé, il y a forcément un moyen. Instinct de survie. Il y a peut-être un truc quelque part qui me permet... On va tuer ceux-là à distance. Mais le gros, il faut forcément le tuer. Waouh. Alors le gros, il attend, tout bêtement. Ah, mais j'ai peut-être des pétards. Alors je pense que le gros, je vais l'envoyer voir ailleurs pendant que j'ouvrirai le garage. On va faire ça. Par contre, je vais dégager la route des autres qui font chier. Ok. Il m'en reste plus qu'un là. Ok. Ok, c'est cool les mecs. Bon. Pétard. Ouais, il m'en reste plus qu'un en plus. Alors, pétard, je vais l'envoyer. Ok, bon. Ça va le faire, ça va le faire. Ah non, bordel, ça va pas le faire. Oh putain. Forcément, il y a le gros qui revient. Oh là là. Waouh, non. Non, 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 non. Oh là là, ok, donc on va faire gaffe. Je crois que je lui ai enlevé un peu de vie en lui tapant sur le crâne. Par contre, lui, il a réussi à me mettre une mandale derrière. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un peu trop de bruit là, j'ai l'impression qu'il y a une horde qui va arriver. Non. Bon allez là. Après il va faire nuit, ça va être l'horreur, il faut vraiment... Si vous voyez sa montre nous indique l'heure qu'il est dans la journée. On peut la voir aussi dans le menu. Donc là il est bientôt 16h. Du coup ça laisse pas beaucoup de temps, c'est pas génial. Ok. Alors là, il y a la manette qui tremble. On dirait qu'il y a un avion. Ah bah, c'est l'avion qui passe, là. Ce qu'on va faire, on va l'attirer. Vas-y, suis-moi. Vas-y, pas que t'es bloqué ici. Ah, parfait, mon gros. Ouais, c'est quoi ce truc? Allumé. Parfait. Ce putain de courant. Bien, maintenant grimpe tout en haut. Ok, j'y vais. Waouh. Par
Apparemment, il y en a qui s'excitent en bas. Bon. Ça va leur être plus dur de monter et de me suivre, à mon avis. Allez. Un peu de nerf, on y est presque. Allez. Ah non, là t'es pas monté du bon côté, mon ami. Ok, c'est bon. Ok, bien joué. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, j'ai fait une esquive en fait sur le côté. Alors que je voulais sauter, mais j'ai probablement touché. Enfin, mon doigt a été orienté sur le joystick un petit peu trop à droite, du coup, ça m'a fait sauter sur le côté. Donc faut faire attention à ça aussi. Alors. Ok. On y est presque, j'imagine. Ah non, ça a l'air d'être un peu plus bas. Alors attendez, si on suit la map, où est-ce que c'est? Non, allez, ça doit être plus haut encore. Ça doit être encore un peu plus haut. Alors là, faut pas se louper, parce que si vous faites un mauvais saut, c'est direction la morgue. Enfin, peut-être pas, mais direction, vous rejoignez vos copains zombies dans la rue. Ah bah tiens, là, un zombie. Punaise, comment il a fait pour monter ici, lui? Tombe. Excellent. Excellent. Bon. Panneau d'alimentation, ici. Merde, Karim! Quelqu'un a déjà massacré le truc pour récupérer des pièces! On peut plus rien allumer, là! Merde! J'avais un peu peur de ça. Bon, rejoins la tour d'antenne suivante. Elle est pas très loin. Utilise la tyrolienne et pars vers l'est. Tu la verras. Ok, donc l'est, c'est par ici. Ouais. Donc on va prendre cette tyrolienne et... peut-être même celle-là, en fait. On va prendre celle-là. Et on va aller à l'est. Et voilà. Donc là, ça sera la fin de la vidéo. On va se laisser sur cette descente en tyrolienne. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Si vous avez des impressions à me dire à propos du jeu, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez du jeu jusqu'à présent. Alors moi, je trouve plutôt fun. Plutôt bien. Pas mal stressant aussi, je vous l'avoue. Et ça, c'est quoi? Ok. Ok, relax. Ouah! Bordel, les hommes de Rice qui m'attaquent. Je fais quoi si le deuxième émetteur est foutu? La vraie question, c'est, tu fais quoi si tu déçois Rice? La réponse la plus probable, tu meurs de façon atroce. Ok. Bon, voilà, on a échappé aux hommes de Main. Les zombies, ça reste plus sympa. Et on se laisse là-dessus. Donc, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du jeu. Et ciao ciao !